Dani Gélinas, une semaine anglaise, trois matchs, deux matchs de championnat, deux victoires, satisfait? Oui, je suis satisfait. C'est une bonne semaine, une grosse semaine. Un match, c'est un prétendant pour débuter la saison. Ensuite, vous avez le match de coupe qui n'est pas facile sur le plan énergétique parce que c'est quand même beaucoup d'énergie pour les joueurs. Ensuite, vous jouez votre premier match à domicile de la saison. C'est quand même important. Alors, c'est une grosse semaine et finalement, on s'en sort avec beaucoup de satisfaction. L'équipe était quand même meilleure sur une bonne partie du match, mais on a quand même dû trembler jusqu'à la dernière minute. C'est un peu parce que c'est des jeunes qui manquent un peu d'expérience ou... Non, il faut être capable de tuer le match et on n'a pas été capable, on n'a pas eu les opportunités. Il y a un gardien de l'autre côté qui a fait 2-3 arrêts quand même clés aussi. Mais en même temps, on a quand même la preuve que dominer, ce n'est pas gagné. On a quand même dominé pendant deux périodes, 25 lancés à 12, pardon. Ils ont eu 6 lancés par période et ils ont trouvé le moyen de rester dans le match. Alors, oui, je peux dire, oui, nous, il faut trouver le moyen de tuer le match. Mais attention, ce n'est pas facile. Il y a quand même des adversaires en face aussi qui nous l'empêchent. Alors, on a bien joué, on a bien travaillé, on a été intelligent, on a été patient, on n'a pas perdu la tête, on a gardé notre plan de match. Les joueurs sont fatigués, bien sûr. Ils ont travaillé dur. On n'avait pas un gros contingent, mais je dirais l'essentiel a été fait. Semaine prochaine, deux matchs à l'extérieur, partez sur la même optique, faire des points à l'extérieur maintenant. Oui, bien maintenant, je veux dire, la saison est partie. Je pense que chaque match a son histoire. Là, on va quand même penser à récupérer. Les garçons vont pouvoir prendre un bon dimanche. Ensuite, on va reprendre l'entraînement lundi. Et puis, on va retrouver des garçons certainement à l'entraînement. On va avoir un collectif un peu plus grand. Et puis, mercredi, c'est une autre histoire. Merci beaucoup et un bon week-end. Merci, ouais, bon.